Il se tient depuis ce matin à N'Djamena une conférence des délégués provinciaux de l'éducation nationale et des acteurs du système éducatif, axée sur le thème Réflexion sur la refondation de l'éducation de l'école tchadienne à la base. Ces assises, qui dureront 48 heures, permettront aux participants de mener des profondes réflexions sur la gouvernance scolaire. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Moussa Khadam, qui a ouvert les travaux. L'HAC-B, Pabami Désiré. Réflexion sur la refondation de l'école tchadienne à la base, voilà un thème aussi important qui réunit les délégués provinciaux de l'éducation et les différents acteurs du système éducatif. Pendant 48 heures, les participants auront à mener des profondes réflexions sur la gouvernance scolaire, notamment le management administratif, pédagogique et financier pour une meilleure équité, ainsi que la promotion des parents dans le système éducatif. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, le gouvernement attend beaucoup de ses assises. La refondation de l'école tchadienne ne peut s'opérer sans vous. J'attends de vos présentations un état des lieux exhaustif, dégageant les forces et les faiblesses du système éducatif au niveau de vos circonscriptions respectives. Selon le ministre de l'Éducation nationale, la refondation de l'école tchadienne en ce quart du XXIe siècle nécessite des moyens que le Tchad seul ne saurait mobiliser. C'est pourquoi le gouvernement tourne le regard vers les partenaires dont il sollicite l'implication à tous les niveaux.